Alors, hello les petits abonnés, comment allez-vous? Ça va bien? Vous avez du soleil par chez vous, il fait bon, vous passez du bon temps. Alors, on m'a envoyé donc il y a 3-4 jours un trailer de donc RE4 remake. Donc vous voyez, je ne me suis pas empressé de mater la vidéo. Finalement, RE4, un remake de RE4, c'est pas vraiment ce que j'attends. Je vais essayer de pas gueuler quand même. Mais ouais, bon, moi je serais vachement plus intéressé par d'anciens opus, hein, les premiers qu'il y a eu, les meilleurs, quoi. Mais ouais, un remake de RE4. Bon bref, on va regarder ça. Ensemble, quand même, il serait temps. Je regarde si c'est en repeat. Ouais, normalement, la vidéo devrait être en repeat, hein, je crois. Bref, on y va. Interdit au moins de 3 ans. Non, ça va. C'est l'annonce de la sortie. 2024, 2023, pardon. Bon, alors il y a plus de détails hein, dans les arbres, on dirait, hein, que dans la version originale. Hein. Ils ont remis quand même une petite musique un peu espagnole, là. C'est sympa. Ça rappelle forcément l'introduction. Voyons, la typo, elle est assez basique, hein, quand même. Putain. Ok, bon, c'est très bleu. Très bleu. Donc déjà, on n'est pas du tout dans l'ambiance de RE4. Ok, ça a l'air d'être Aïda, ça. Très étrange. Bon, Léon, on le reconnaît bien. Même de dos. Ouais, les baraques sont bien. Bon là on est plus dedans là quand même, ouais. J'essaie de me concentrer. Ashley, je crois que c'était Ashley. Ok. Bon, les skins ont l'air pas trop dégueulasses, mais Aïda, par contre, elle a pas l'air d'avoir autant la classe, hein, quand même. Bon, Ashley, je préfère celle du 4, quand même. Hein. Elle avait une gueule, elle avait trop de gueule, quoi. Même si elle était casse-couille, elle s'en reconnaît bien aussi, quand même. Hein. Ce passage-là. Ok. Bon bah voilà, on a vu ça. Même la gueule de Léon, à vrai dire, elle a l'air pas trop mal quand même. Hein. Si on n'a pas fait un double menton comme ils ont fait dans RE2 Remake, bah il serait potable quoi. Ouais, alors ça par contre, cette ambiance bleue dans les arbres, ça rappelle vraiment pas RE4. Hein. Pour le coup, c'était vachement plus un peu sépia. C'était un peu plus sépia quand on commençait. Un peu des couleurs automnales comme ça. Là, ils y sont pas. Hein. Il y avait même. Enfin, ils auraient pu ajouter du brouillard et tout, faire une super ambiance qui ressemblait vachement à ça, quoi. Est-ce qu'on croisera le petit labrador blanc là? Qui se fait becqueter, qui revient nous aider parfois. Bon, les passages là, ouais, ils sont plutôt bien quand même. Hein. Les gugus ont l'air pas mal. Même le Lord Saddler. Leurs skins ont l'air d'être vraiment potables. Ils ont dû changer le signe hein, de la secte, on dirait. Il ressemble vaguement, mais. Ouais, maintenant ils mettent le R et le E en rouge. C'est devenu une nouvelle mode. Ouais, regardez, il a bien le profil, hein. Franchement.
Mais C'est ça qui est si on connaît son menton de patate, ce sera un peu dommage. Ouais, Ashley, laisse tomber, je préfère celle du 4. Ok. Bon, bah, franchement, ça aurait pu être pire, quoi. Ça aurait pu être pire. Ah, il y a la réalité virtuelle, hein, je crois. Hein, si je dis pas de conneries. Oui, Content Also in Development. Ouais, c'est de plus en plus à la page, hein, ça, maintenant, réalité virtuelle. Ok. Alors, je suis en train de me tâter si je vais pas aussi, pour faire une vidéo un tout petit peu plus longue, zioter ensemble alors je sais plus, c'est peut-être un trailer aussi, mais alors là il s'agit par contre de la série Netflix. Alors moi j'ai pas Netflix, hein, j'ai pas abonné à ce truc, j'ai tellement peu d'intérêt, mais bon, ça c'est une série, pour l'instant on peut la voir que sur Netflix, mais de toute façon il paraît vraiment que c'est de la merde. Alors on va regarder ça. Ça va être la première fois, hein, que je mette, d'ailleurs, le boulot qu'ils ont fait, hein. La gueule des persos, tout ça. J'ai toujours pas maté encore. Vous voyez, hein, comme je prends toujours mon temps. Enfin, je fais pas que ça non plus. Donc. Mais j'ai toujours pas maté le film. RE, bienvenue à RE Umbrella, je sais plus quoi là. Bon. Alors, on va faire un petit fondu et on va regarder ce truc. Alors, est-ce qu'il y a du son? Oh putain, je sais pas où ça se trouve. C'était quoi ce truc? Oh, c'est Anderson à fond. C'est quoi ça? La bouteille de lait, pas mal. Encore du CGI à la con. Ils sont combien maintenant? Ils ont l'air d'avoir foutu des araignées, quoi. Mais putain, mais ils sont tous black là-dedans, quoi. Ils sont tous black. Putain, mais c'est quoi en plus cette musique là? Je l'ai entendu dans un Stephen King, dans Rose Red. Ouais, bon, ils ont fait un putain de cocktail en mélangeant un peu n'importe quoi, quoi. 14 juillet. Putain, la vache. Ah ouais, ça a l'air d'être une perle de truc. Sérieux, quoi. Oh là 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 là. Ouais, bon, ça n'a rien à voir. Encore une fois, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est censé être. Putain, mais comment ils font pour se gourer tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Tout le temps, tout le temps. C'est pas possible, ça fait des années, quoi. Ils le font exprès. Ils le font exprès pour faire chier les fans, c'est pas possible, quoi. C'est pourtant pas si compliqué que ça, bordel, quoi. Oh la vache, elle m'en croirait que si, hein. Ouais, tiens, on se prend des patates dans la gueule, c'est tout ce qui se passe. À chaque fois, hein. Entre les tartes et les patates, quoi. Bon, bref. Ça n'empêche pas de vous faire un petit bisou partout. Allez. Une bonne nuit, les petits abonnés. Eh oui, parce qu'il est quand même 3h30, là.